Et il t'a dit un courant de choses. Amen. Mais j'ai fait des choses comme ça. Donc vous m'avez pris. Moi, vous m'avez pris pour la poubelle. Écoutez-moi, si je ne mets pas mes choses sur moi, c'est parce que c'est mon travail qui exige. Vous suivez bien. Aïe. Même les Brésiliens, il n'y a même plus les Brésiliennes. Parce que vous êtes en train de parler comme ça là. Quelqu'un va passer ici là, il croit que Hey, pardon, please, avec. Abeg. J'étais en ville. J'ai vite couru pour venir faire le direct. Parce que de temps en temps, il y a des petites choses qui viennent sur toi. Les petites choses-là essaient de te faire le manque de respect. Maintenant, c'est à toi de voir si tu acceptes le manque de respect. Tu sais quand même que si tu te vends moins cher, tu te vends moins cher, on va t'acheter, non? Voilà. Bon après-midi, je vois tous vos témoignages que vous envoyez. Je vois les témoignages que vous envoyez. Je bénis vos témoignages. Je bénis vos témoignages. Je suis ici là pour crier dans les oreilles de quelqu'un. Je vais vous donner deux, trois secrets. Secrets de prospérité. Vous voyez, quand vous voulez croire que vous avez l'argent et les gens viennent vous dire, ils vous disent que tu fais comme si tu avais l'argent jusqu'à. Dites-leur maintenant que j'ai l'argent. Dites que j'ai l'argent. Tu as l'argent, hein? Tu es arrivé quelque part, la personne veut que. Tu vois, quand tu peux pas acheter quelque chose, on fait un peu genre. Non, habite-toi là-bas mal. Hein? Habite-toi mal. Tu arrives là-bas, avance en confiance. Quand tu veux supplier, fais un peu que genre, ouais, I beg. Ouais, je n'ai même pas mangé depuis le matin. Ouais, parce que tu as peur qu'on te taxe. Voilà un moyen par lequel l'ennemi entre dans ta vie pour voler ton argent. Parce que tu confesses à longueur de journée aux gens que tu n'as pas l'argent. Hé, pardon. Dis que je ne suis pas pauvre. Il y en a parmi vous, vous vivez encore chez vos soeurs. Tu te lèves le matin, tu attends pour que la douche se libère. Non, je vais économiser 20 000. Je vais économiser 30 000.
Parce que mes petits 500 euros là, je vais économiser. Mamie, c'est ça qui te bloque là où tu es. Arriver à un niveau où vous ne. Non-tolérance à la pauvreté. Non-tolérance à la pauvreté. Je ne veux pas m'asseoir avec les gens qui disent qu'ils sont pauvres. Je ne veux pas dire que je suis pauvre. Même si c'est pour avoir une réduction de n'importe quoi. Je ne veux pas me sentir mal à l'aise. Il y a les quartiers où vous partez vivre, il n'y a jamais l'eau là-bas. Te voilà avec le seau. La maison dans le quartier où il y a l'eau là, c'est 50 000 en plus. Ah, moi, il n'y a pas moi 50 000. Tu mets la serviette, tout ça, tout ça, tu attaches. Te voilà avec le seau. Ta serviette va même tomber parce que tu. Te voilà. Tu pars même pour faire pipi. Ou pour faire tes besoins. Mais voilà, quand tu portes le seau, ça pèse. Tu pars, tu verses. Après, tu. Yeah, quelle est. Est-ce que vous savez que dans la vie, vous devez vous fâcher? Ma chérie, si tu ne te fâches pas, hein, écoute-moi bien. Même dans 4 ans, 10 ans, tu seras toujours dans les fausses maisons. Avec les fausses toilettes. Des fausses toilettes. Quelqu'un vient, je dis qu'il veut pisser, tu dis que non, pardon, tu l'envoies chez le voisin. Voyez ce que t'as pas là, c'est gâté. Il y a les choses, c'est toi qui t'ont cassé, cassé. C'est cassé. Tu passes sur le pot, tu dis que non, ma paille est cassée, tu sais, il faut s'asseoir ici, il faut faire comme ça. Tu vois là, tu mets la moitié de ta fesse comme ça là sur le truc. Tu pisses sur un côté comme ça là. Hey! Mesdames, voilà les choses qui vous rendent pauvres. Vous me suivez? Voilà les choses qui vous rendent pauvres. Et vous ne savez même pas. Non, tu sais, au lieu de prendre l'avion, non, prends le taxi, la voiture, non? Va, en général, tu payes 3 000. Tu pars à Yaoundé. 3 000 allées, 3 000 retours. Te voilà dans le bus. Rappelez-vous des circonstances quand vous voyagez en bus. L'autre jour, une de mes filles venait de Bafoussam. Elle me dit qu'elle a payé le VIP. Il a fait 10 heures de temps avant. C'était 12 heures de temps. Tournez! Tournez! Tu es vexé. Est-ce que vous savez que votre argent vient avec. Tu peux être comme ça dans un bon environnement, hein? Tu reçois une idée de 500 000. Une idée de 500 000. Après, tu restes encore comme ça. 400 000. Tu restes dans un endroit, ça y est, la clim, c'est chaud, c'est bien. Tu dis, Par exemple, tu as dit, quelqu'un te fait le dépôt dans ton compte Orange Money. Pendant que tu dis, le froid est bien. Hey! Imagine alors quelqu'un dans le bus en train de voyager. Tu as payé 3 000, non? Voilà une mère qui vient avec ses 3 enfants à côté de toi. Je n'ai rien contre les enfants. Maman! Maman! Voilà l'enfant avec les bruits. Tu as envie de dire à l'enfant que tais-toi. Tu veux te concentrer même comme ça là. Pour réfléchir un peu. Pour voir comment tu vas tracer un plan comme ça là. L'enfant, elle fait te cogner. Elle dit, excusez-moi, madame, désolée. Vous savez, les enfants dérangent trop. Vraiment. Te voilà. Tu supportes. Après, on s'arrête. Jean-Fa, on va pisser. Merci, Nadège. Jean-Fa, on craint tes oreilles. Celui qui est à côté au téléphone. Hein? Moi, il était derrière, tu vois. Sans compter la chaleur. La femme qui est devant n'a pas ouvert sa vitre. Tu as tout fait pour qu'elle vous savide. Non, elle dit que le froid dérange ses cheveux. Voilà comment. Ça, ce sont les. J'ai voyagé dans l'étude de 3 000 francs. Je connais comment ça fait. Merci, Sadia. Merci, Nadège. Tu arrives à destination. Tu es vidé de ton énergie. Tu es vide. Parce que chaque fois que le chauffeur s'arrête, quand il s'arrête comme ça, tu as envie de demander que le chauffeur, on s'arrête. Pourquoi?
Il cause avec les gens, il racole, il prend. Après, on dit, que poussez-vous un peu, faites un peu l'espace. Or, on avait dit que le VIP, quand ça part, en étant, quand ça part, si c'est 10 passagers, ça arrive à 10 passagers. Te voilà. Tu pars. Il roule, il s'arrête. Tu regardes l'heure. Il roule, il s'arrête. Il roule, il s'arrête. Il roule. Les gens commencent à se fâcher dans le bus. Ils bavardent. Ils insultent. Après, une femme se plaint chaud. L'autre derrière commence à l'insulter. Les deux commencent à s'insulter. Voilà. Tu là, tu regardes comme ça, là, tu fais. Oh. Ma chérie. Oh! Claude Caro, tu connais. Les gens des remèdes là. Souvent, je suis la dernière fois que j'ai pris le truc, j'avais pris 3 places. Parce que je ne voulais pas la clim du porteur de truc là-bas. Donc, je suis allé à un endroit, j'ai pris 3 places. J'ai payé les 3 places, mais je suis assise sur ça. Il est entré. Je lui ai proposé que papa, je te donne l'argent de tes médicaments là, tu sors. Oui, bonsoir, mes chers passagers de Général Voyage. Vous connaissez quand les... Oui, normalement c'est 5 000. Mais aujourd'hui, comme c'est promotion, je fais à 1 500. Mais maintenant, si tu prends 10, je te fais ça à 5 500. Voilà comment elle a dit qu'un produit c'était 5 000. Maintenant, tu te vends 10 à 5 000. Ma chérie. Assois-toi, mamie Youms. Ma chérie. Tu ne sais pas qu'on est en train de voler ton énergie. On est en train de voler ton énergie. La personne est en train de sucer. Donc, comme le moustique vient, il suce ton sang sans te demander là. Quand tu sors du bus, tu as économisé. Supposons l'avion, tu allais payer 25 000 en plus. Hmm? D'abord, la salle d'attente est climatisée. Mm-hmm. Dans l'avion, n'oublie pas que tu peux faire des connaissances. Tu peux rencontrer quelqu'un qui... Et puis, tu peux avoir les idées d'habillement. Tu peux avoir les idées. Tu dis, ah, mince. Tu t'assois à côté de quelqu'un, tu fais une bonne conversation avec lui. Arrivé à bon port, vous prenez, vous échangez des contacts. Les filles qui veulent les gars riches là, positionnez-vous. Ce n'est pas dans le bus de 3 000 de général que tu vas trouver ton gars qui est riche. Eh, la sueur, pardon, Vanessa, ça ne parle pas de la sueur, ne passons pas sur ça. Il n'a même pas envie de penser à la sueur pour que. Même penser seulement, là, il ne veut pas que ça rentre à la maison, mais dans ma tête. Mm-mm. Il y a des choses que je n'aime même pas penser à ça. Ça ne paye pas le loyer dans ma tête pour cela. Te voilà. Te voilà. J'ai économisé, hein? J'ai économisé. Tu as payé le ticket. Tu es là-bas depuis 14 heures. Le bus quitte à 18 heures. Tu arrives à 4 heures. Hein, mamie? Hein? Valorise ton temps. Valorise ton énergie. Vous qui m'écoutez depuis là, donc ça fait déjà 1 mois, 2 mois que tu m'écoutes, tu auras une envie étrange de commencer à acheter les choses chères. Merci beaucoup, Juliette. Tu auras une envie étrange. Mais attends, il faut que je teste ce que la mère a dit. Elle dit que, en passant, on n'a pas besoin de passeport pour prendre Kameko au Cameroun. Tu me suis. Même le récépissé. Même avec ton récépissé au Cameroun, tu prends Kameko. Je devais prendre le billet de quelqu'un tout à l'heure là. La personne me dit que, oh, tu sais, moi, il n'a pas le passeport. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? On n'a pas besoin de passeport. C'est dans ton pays. C'est dans ton pays. Tu arrives à 14h à l'agence. Tu arrives à 4h dans ta destination. Et quand tu arrives à 4h, il n'y a pas de taxi. Te voilà maintenant que tu attends encore 5h30. Avec le risque qu'on t'agresse. Je dis que vous aurez étrangement des goûts de luxe. Tu vois, si tu as regardé ta chambre où tu vis comme ça, là. Je vais déménager. Et dis que... tu regardes ton drap comme ça, là. Je n'arrive plus à dormir sur le lit de 2 places. Même qu'elle pas à l'hôtel, je dois prendre la chambre qui a le king size. Même pour toi, je suis seul, je dors sur le lit seul. Le lit de 2 places est petit pour moi. Rihanna a une chanson qu'elle chante, California King Bed. Oui. Tu vois sur le lit là, comme ça, là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup comme ça d'espace. Voilà.
Pas aux gens les livres que j'aime. Tu n'as plus compté ton loyer en termes de mois. Mais non, attends, si je dépense 20 000, je suis à l'aise aujourd'hui. Le confort de 20 000 peut me faire. Je gagne 500 000. Oui. Le confort de 20 000 peut me donner, me fait, je bosse, je pointe même 500 000. Si tu pointes 300 000 par jour, même 100 000 par jour, tu auras la facilité de sortir 10 000 pour manger. Et quand tu sors les 10 000 là, tu te mets à l'aise. Plus tu te mets à l'aise, plus tu montes. Je te dis d'entrer, quand vous toquez à ma porte, vous n'écoutez pas, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. Il t'a donné combien? Ok. Où est l'argent que tu as retiré? Donc tu vas rester ça, tu vas regarder ta chambre. Et je suis sûre que depuis quelques jours, tu avais les idées là. Mais tu te dis aussi que ah, ne parle pas de ça à quelqu'un. Pas seulement faire. Mes produits que vous achetez là, il y a l'onction sur ça. Il y a l'onction du luxe. Il y a l'onction du luxe. Tu ne sais plus comment tu vas, tu peux plus faire autrement. Il y a l'onction du luxe sur ça. Si tu peux sortir 55 000, tu achètes ton kit, ma chérie. Ne te dérange pas. Très bientôt, tu vas commencer à sortir 100 000, 200 000. Donc, tu vas dépenser, en un mois, tu vas dépenser 1 million. Tu vas dire que, hey, moi, qu'avant, je prenais en 6 mois, je ne touchais pas 1 million. Si tu ne veux pas évoluer, ne m'écoute pas, toi, mamie. Ne m'écoute pas. Ne passe plus dans mes directs. Et il y a aussi une autre chose. Quand tu fais vraiment le travail spirituel que te montre de faire là, tu peux aménager quelque part. Au bout de 2 mois, tu n'as plus envie de rester là-bas. Tu entreprends les choses qui t'étonnent. Que j'ai une belle énergie. Vous allez commenter. Vous n'êtes pas censé être pauvre. Vous n'êtes pas censé être pauvre. Communiquez moins avec les gens. Parce que de la même façon que Dieu peut te montrer, tu peux flairer le business. Vous voyez, il y a le matin que tu te lèves, tu sens que l'argent arrive. Il y a le matin que tu te lèves comme ça, tu dis que non. L'argent arrive. Je sais. Money is coming. L'argent arrive. 8 h, 11 h, 14 h, on te donne l'argent le jour-là. Les clients t'appellent. Les clients t'appellent. Je dis, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, ma chère. Tu restes quelque part. Bonsoir, bonsoir. Tu restes quelque part. Le loyer là-bas, c'est 50 000. Deux mois plus tard, tu l'as. Je veux prendre une maison de 100 000. J'ai envie de prendre une maison de 100 000. Je veux plus 50 000. Non. Regarde-moi le mur là-bas. Regarde-moi, c'est fendu. Qu'est-ce qui m'a fait que j'accepte de vivre dans la maison avec le mur comme ça? Tu pensais à quoi depuis? Oh non, mais Jocelyne, tu ne peux pas vivre dans un endroit comme ça. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de forage. Il n'y a pas le groupe électrogène. Mais non. Tu appelles l'agent immobilier. Ces frais de visite là, comme tu pleurais avant que tu négociais les frais de visite, que prends 1 500. Tu sors 5 000 cash, tu lui donnes. Tu dis voilà, je n'ai pas de limite, hein, mon budget n'a pas de limite. Hein. Les gens qui me connaissaient avant, hein,
J'ai beaucoup de mes anciens amis qui reviennent. Les exticones, les dragueticones, les check-ticones qui me checkaient seulement. Mais j'ai une amie une fois, elle écrit sur mon ancien numéro, le 680. C'est le numéro que j'utilisais avant. Elle écrit là-bas, elle faisait genre, Jocelyne, ça va? Hein? La secrétaire dit bonjour, c'est l'assistante de la reine. Est-ce qu'elle peut parler à Jocelyne? Non, madame, pour lui parler, c'est payant. C'est combien? Elle dit 65 000 francs. Elle dit qu'elle est tombée de sa chaise. Bon, c'est une métaphore. Le jour, on lui donne mon numéro. Donc, la secrétaire m'a dit, voilà, il y a telle personne qui s'est joint. Je lui ai écrit sur mon numéro aussi. Non, pour te voir maintenant. Il dit, ouais, c'est bien, simplifiez-moi. On reste, on devait faire un deal, un business ensemble. Tout un peu le genre là, elle pleure l'argent. Oh, non, c'est trop cher, je n'ai pas moi 500 pour mettre ici. Je n'ai pas moi. Il dit, il n'y a pas de limite sur l'argent. Donne-moi combien ça coûte. Elle dit, yay. Yay. C'est quoi? Ok. Il faut. Bon, prends ça. Tu vas faire avec quoi? Il y a du riz. Vous avez fait le riz hier. Du riz aussi à planter. On a fait sauter les pommes quand? Ah, no, that was not good, you know. How do you have a lot of potatoes? Make it with potatoes and then you make rice so that we can put the potatoes on the rice. Tu fais que sauter, je vais le sauter de tout potato avec ou de meat. And then it's not going to be a lot, obviously. If you find where you can buy it, you can get another one. Ask Erika if you can buy potatoes. You make it with the potatoes. And then you make a bit of rice on the side. But don't cook the rice too much because you guys, you cook it too much. Small rice, yeah. Okay. I'm not even going to eat the rice, so. Bonjour la reine Stéphanie. Vous me donnez mes cœurs, eh. C'est super. Vous me suivez un peu, non? Tu vas te demander, mais. Je faisais mon poids dans la maison là. Le truc c'est que ce sont les choses qui sont en vous. Ça t'appelle en fait. Tu restes, tu sens que. Mamie, l'argent que tu as là, hein, si tu ne mets pas ça un peu sur toi, quand tu vas mourir, tu vas faire comment? Dis-moi alors. Maintenant, il y a un truc qu'on va te faire. Croire. Personnellement, je suis quelqu'un que mon énergie vibratoire monte très vite. Ce qui fait que je suis très rarement resté dans une maison un an. Donc, généralement, je reste. Après 3 mois, ma vibration monte. Donc, si je paye le loyer là-bas, 400 000. Après 3 mois, je suis prêt à payer 500 000. Après, je reste encore. Après, il dit, moi, il reste 550 000 ou 600 000. Après, il reste encore. Il dit que moi, il ne veut plus. Ma vibration monte beaucoup. Donc, ce que les gens monotones vont vouloir te faire croire, c'est que tu es instable. Comment est-ce que tu peux rester comme ça là? Tu n'arrives pas à rester dans une maison. Non, mon énergie est montée. Donc, peut-être que tu vis chez tes parents actuellement. Tu m'écoutes et tu décides de déménager. Tu quittes de là, tu peux prendre un endroit où tu payes 25 000 ou 30 000. Bonjour la reine Monique. Dans 4 mois, tu vas vouloir prendre un endroit de 50 000. C'est parce que ton énergie est en train de monter. Après, tu vas prendre l'endroit de 50 000 là. Ma chérie, si tu fais la même chose, tu continues toujours à monter ton énergie. Tu ne vas pas faire 6 mois là-dedans. Tu vas maintenant vouloir prendre 80 000. Après, tu vas encore rester. Parce que c'est un peu comme si, quand tu commences à ouvrir tes dons, hein, tu commences à tester les limites. Peut-être que tu avais les clients que tu prenais d'abord, les services que tu payais, ils te payaient peut-être 10 000. Ton énergie monte, tu écoutes mon direct, tu dis que c'est même quoi? À partir d'aujourd'hui, je demande 25 000.
prochain client qui t'écrit, en voulant écrire 25 000, ton cœur va battre. Tout, 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 tout. Hey, c'est pas. Si elle me dit qu'elle ne veut pas, il faut comment? Hey, c'était mon pointage de la journée. Ma chérie, dis-lui 25 000. Tu as compris? Dis-lui 25 000. Dans un mois, tu seras en train d'avoir des clients de 50 000. Tu me suis, non? J'ai toujours dit ceci, hein, personnellement. La chose que je vous demande, soyez excellent dans ce que vous faites. Parce que malheureusement, pour vous, vous êtes excellent, mais vous doutez de vous. Donc, les gens qui viennent utiliser vos services savent que vous êtes bon. Mais ils ne veulent pas vous payer pour ce que vous valez. Maintenant, quand vous vous débarrassez de ceux qui ne veulent pas vous payer, par exemple, moi, avec mes prix, quand je vends mes choses, je sais que vous pouvez trouver mes choses que je vends au marché à 7 000. Quand il te dit que donne-moi 20 000 pour ma chose, je m'en fous. Hein? Parce qu'il y a besoin que tu me libères la ligne. Si tu es prêt à te payer 7 000, c'est que tu n'es pas mon client. Va là où on vend pour 7 000, tu restes là-bas. Tu payes, il n'y a pas de souci. Tu vas payer pour 7 000, tu vas te rendre compte que ton argent ne va pas augmenter. Peut-être ton argent sera à 14 000. Quelqu'un vient, il sort 20 000, il paye. Tu achètes en fait l'onction. Si tu ne voudrais pas honorer l'onction qu'il y a sur quelqu'un. Quelqu'un sort ses 20 000 et quand tu le vois même payer 20 000, là, tu dis, ah, la femme là, vous êtes trop hein. La personne dit, laisse. Laisse. Le jour où tu sors tes 20 000 à 11 heures, 12 heures, on t'a fait un paiement de 50 000. 15 heures, on t'a encore donné 30 000. Tu dis, hey, le boulot que tu cherchais depuis, tu trouves le boulot le jour-là, la semaine-là. Une dame est venue l'autre jour à Douala, elle m'a attendu. Elle est arrivée à 11h15. Je suis arrivée au centre à 17h. Maman, ça part des démons là. Hein. Mon corps a pesé le jour-là. Hey! Il dit, mais c'était quel genre de femme qui m'attend comme ça là? Je reste, je tourne, je travaille, je consulte, j'ai fini tout. Je vois, il est 16h30. J'arrive, je la trouve. Et elle ne fait pas le genre que quand elle me voit, elle fait sa tête bizarre là. Hein. Parce que si vos démons là vous influencent, ne venez pas faire ça avec moi. Mon cœur battait, mais j'ai fait un grand sourire et j'ai dit, ma rémunération, maman, moi-même je suis étonnée. Tu crois que je déteigne sur toi? Je prends la dame donc, je la mets, je la lave. Attendez, je vais vous lire son témoignage. Les blocages qu'elle avait, c'était les blocages plus. Blocage plus. I'm telling ya. Blocage plus. Attendez, il cherche son témoignage. J'ai mis ça dans le groupe. Elle dit, bonsoir ma reine, je sais que vous vous souviendrez de moi. Depuis le 1er juin, je prends le thé de désenvoûtement et j'utilise le sel arc-en-ciel avec mon fils. Mardi, je suis venue pour mon lavage et je vous ai attendu jusqu'à 17h par là. Vous êtes arrivé, vous m'avez fait mon dit lavage. À la fin, vous m'avez dit plusieurs choses parmi lesquelles mon oncle devait me donner de l'argent. Je ne me rappelle même pas qu'elle dit que son oncle devait me donner de l'argent. En tout cas, tout ce que travaille sur vous, ce qu'on me dit, j'ai dit. Entre-temps, j'avais demandé de l'aide à mon oncle pour un projet de bureautique ou de restauration depuis au moins 10 ans. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire que depuis 2013, elle tape les mêmes que tonton. Aide-moi. Continuons. Marin, je vous assure, dans mes prières du jeûne, j'avais demandé 1 500 000 pour mon projet. Ok. J'ai donc fait mon lavage mardi. Mercredi, j'ai appelé mon oncle par rapport à mon projet. Jeudi, il m'appelle, il me dit d'aller prendre de l'argent chez son partenaire ici au Cameroun. Je suppose que l'oncle est en main. Un montant vraiment très considérable au FMAO sur ça. Après, il commence à chanter. Comment ne pas te louer? Vous chantez même dans les écritures. Elle dit, papa Yahweh, tu m'as relevé, ta ombre servante, reine Jocelyne, tu l'as mis sur mon chemin, nanana. Bon, elle fait les chansons à côté, les chansons, elle chante. Mm-hmm. Et je me rappelle l'énergie de cette dame. Quand j'ai fini de la laver, ce que je voyais en elle, c'était, tu vois, la personne qu'on a bloquée chez sa mère. Tu vois, qu'on te bloque. On te bloque le genre que on dit que tu as 37 ans, tu accouches, tu viens avec ton enfant chez ta mère.
S'il vous plaît, si c'est votre situation, prenez le kit fondation que vous utilisez. Le premier, on est à Douala pour le service de. Vous connaissez, non? Ça se fera en ligne aussi. Le service d'action de grâce. Voilà. Donc, il y aura un service qui sera à la mémoire de nos défunts amours. Donc, en tête de liste, il y aura mon fils qui est parti, qui est mort, ça fait quelques semaines. Donc, ce qui fait que vous pouvez venir et je pense qu'après ça, je ferai des lavages aussi. Ok. Tu vas voir que tu auras très souvent des. Et le truc, c'est que quand tu restes chez ta mère, ce n'est pas que tu n'as pas essayé. Eurydice, ce n'est pas seulement pour les bébés. Même si c'est ta mère qui est morte, même si c'est ton oncle qui est mort, si c'est quelqu'un qui comptait pour toi. Tu as compris, non? Et je vous en prie, si vous avez donné la liste, enfin, je suis en train de clôturer déjà la liste. Donc, il ne faut pas me dire que vous n'avez pas. Faut pas me dire que vous n'avez pas pu envoyer ou bien vous envoyez à la dernière minute. Je vous en prie. Bon, j'ai un message qui est arrivé. C'est vrai que c'est le message de l'agent, mais bon, continuons. Donc, tu vas te rendre compte que ton énergie veut faire des choses, veut prendre des initiatives. Bonjour, le roi Antoine. Donc, tu vas rester comme ça là. J'ai envie d'aller à Kribi. J'ai envie d'aller à Kribi. Clara, je n'ai pas fait les lavages. Et ne me stressez pas pour les lavages. Tu as compris? Si tu penses que je vais aussi bavarder sur toi. Hier, j'ai bavardé sur quelqu'un ici là qui m'a demandé ça. Et bien bavardé. Mais aujourd'hui, je suis de très bonne humeur, donc je n'ai même pas envie de bavarder. Oui, vous envoyez les messages inbox. Donc, laissez-moi, je ne descends pas ma vibration, s'il vous plaît. Donc, je vous ai expliqué que vous devez résister à l'envie de croire que c'est vous qui êtes instable. C'est juste que ton énergie veut monter pour te mettre là où tu étais avant. Là où tu es censé être. Parce que quand tu es là, hein, si on regarde bien, tu es censé avoir déjà même deux immeubles. Et quand tu commences ton travail spirituel, l'esprit va te donner des idées. Vends les mèches. Vends ça. Fais ça. Maintenant, c'est à toi de saisir. L'esprit va te dire, va à Dubaï. Ah, Seigneur, qui va payer 700 000 pour aller à Dubaï? Non, 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 moi, je ne peux pas. Si j'avais 700 000, c'est comme moi, comme l'esprit a été guidé là. Peut-être le jour-là, tu vides tous tes comptes, tu payes 700 000, tac. 2 jours plus tard, je ne sais par quel miracle, transaction tu as encore 700 000 dans ton compte. Les choisis se font de l'argent dans le spirituel en obéissant aux impulsions que l'esprit leur donne. Je suis normal. Tu restes comme ça là, tu. Like, I'm feeling good. J'ai envie d'acheter un baffle. On dit que le baffle c'est 100 000. Tu n'as jamais pris 100 000 pour te mettre sur un appareil. Ma chérie, porte 100 000, tu achètes. Tu vas voir. Porte, tu achètes. Je me rappelle l'année passée quand je commençais encore. C'était en 2021. Quand j'ai commencé à saisir vraiment ce que l'esprit me montrait à faire. J'avais pris un appartement de 100, je vais 140 000. Et l'appartement était derrière, en bordure de route, mais c'était à l'arrière. Donc à l'avant, le monsieur avait fait des bureaux. Je pars, je visite, je vois les bureaux à 90 000. Un studio, genre une chambre, salon, cuisine et puis douche. Ouais, petite. Ceux qui sont venus à Bépanda, oui, je payais 90 000 là-bas. Je vois ça, l'esprit me dit, prends, prends. Je dis, ah, 90 000. Si je m'engage 90 000, il faut encore que j'aménage. Quand j'aurai aménagé, il faut que donc, tu vois tout ce qu'il y a à faire. Je dis, ah, je vais prendre l'argent de ça où? Je parle d'abord pour le bailleur. Il dit, ouais,
Ça faisait déjà 3 mois que j'étais là-bas et je payais bien mon loyer. Donc j'étais réglo dans ce que je faisais. Donc, je pars, je négocie. Okay, est-ce que tu peux me faire une réduction de mois sur ça? Il me dit non, tu es ma personne, ne te dérange pas. Il m'a demandé de payer 2 mois, 1 mois de caution, 1 mois de loyer au Cameroun. Deuxième chose, je suis entrée, j'ai fait les travaux. Il m'a donné 2 semaines gratuites avant de commencer à payer le loyer. Donc, supposons, j'ai pris l'endroit le 15, je suis entrée, j'ai payé le loyer, les 2 mois que j'ai donné, j'ai commencé à payer le loyer 6 semaines plus tard, dans le prochain loyer. Donc, je prends l'endroit. Je dis non, il faut que je passe la peinture. L'argent de la peinture vient. Après, je dis non, il faut que j'aménage. L'argent de ça vient. Je dis, hey, Seigneur, bon, okay. Après, je dis que bon, je commence à rêver maintenant. Il faut que je mette la clim ici. La clim, c'était ma bête noire financière pendant un moment parce que je voyais que j'avais porté 300 000, je mets dans un appareil. 200 000, je mets dans un appareil. Et tu sais, quand tu achètes la clim au pays, c'est pas seulement une clim que tu achètes généralement. Et quand tu achètes la clim, maintenant, il faut assumer les factures de la clim. Ah! Mais voilà. Je cherche, je demande, on m'a passé le contact d'un monsieur. J'avais tellement peur des clims neuves. J'ai dit que j'avais peur des clims neuves. Parce que je savais que clim neuve, c'est plus cher. Oh, Mais voilà. On me donne le contact d'un gars. J'avais pris deux clims, une pour la grande salle, une pour mon bureau. Celle de mon bureau, j'avais payé 180 000. Celle de la grande salle, j'avais payé 200, peut-être 240 000 comme ça. J'ai payé les frais d'installation, peut-être 15 000 par clim. Il est arrivé la nuit. Je me rappelle le premier jour où je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé, j'ai mis la clim. Je vous assure, j'ai moi dit mes choses terre à terre. Parce que c'est que vous, quand vous me voyez, vous croyez que je ne suis pas. Je suis quand je suis rentré au Cameroun venant de Mbengue, j'ai beaucoup galéré. Parce que j'ai eu des attaques, j'ai perdu mes choses. Donc, à un moment, j'ai commencé du plus bas. J'ai commencé au bas niveau. Je me rappelle, je mets la clim comme ça. Ça me plaît. Après, Dieu dit, mets la télé dans ton bureau. Je dis, hey! Seigneur, la télé, c'est 150 000. Ah! Je dors la nuit, je suis sur le lit. Je tourne. Mon corps dit que achète la télé. Je tourne. Achète la télé. Je tourne. Achète la télé. Je dis, ok. Je me lève. Le gars qui m'avait acheté les clims a dit, ok, est-ce que tu connais où vendre les télé? Il part. Il trouve une télé. C'est une télé Samsung comme ça. 150 000. Neuf. Avec Netflix sur ça. Je regarde mes fonds comme ça. Parce qu'avant, il y avait un truc sur moi qui faisait que je n'accumulais pas l'argent. Donc, mon argent, c'était au jour le jour que je le gérais. Donc, si actuellement, peut-être, tu vois que tu n'as pas beaucoup d'argent que tu as accumulé, ne te dérange pas, ça va changer. Ne te dérange pas, ça va changer. Je me décide. Je crois que, on peut dire qu'en tout, j'avais peut-être 500 000 sur moi. Et je voyais que si c'est 500 000, je sors 150 000 pour acheter la télé. Alors que la semaine passée, ça fait 3-4 jours, j'ai acheté encore. J'ai dépensé 400 et quelques pour acheter les clims. Mais voilà. Tu vois, quand tu es le genre que tes parents t'ont fait grandir en te faisant croire que tu dois espacer tes dépenses. Tu dois espacer tes dépenses. Tu vois, j'ai dû vraiment me reprogrammer. J'ai dû me reprogrammer pour l'argent. Donc voilà. Je sors à l'argent de la télé. Il achète. On installe à mon bureau. Ce jour-là, je reste que c'est fait le direct. Je regarde la télé. J'ai dit, hey, j'ai la télé dans mon bureau. Je finis la télé. Dieu dit, ok, renouvelle tous les rideaux qu'il y a dans ton truc. Là. Il dit, ouais, Seigneur, tu n'as pas confiance en moi. Le jour où j'achète la télé, le jour où il me dit que vous achetez, mets les rideaux maintenant. Je voulais aller prendre les rideaux moins chers. Il dit, non. Non. Tu vas prendre les bons rideaux. Je dis, hey. J'en vois pas chercher. Je me rappelle de mes premiers rideaux. J'ai même trouvé ça toujours dans mes affaires. J'ai trouvé que c'est quoi cette basse classe de rideaux là? J'étais parti au marché Congo le jour là. J'ai discuté avec le père là-haut. Discuté. J'ai dit que non, j'ai 2400. Il dit non, c'est 2800. J'ai dit j'ai 2400. Et même pour mesurer le rideau, quand je mettais les rideaux là sur ma fenêtre, ça se tendait. Donc, si la fenêtre c'est 1,20 m, j'avais pris les rideaux de 1,50 m. Alors que normalement, sur les rideaux de 1, la fenêtre de 1,20 m, tu dois prendre même les rideaux de 3,20 m ou 3,50 m. Parce que tu vas plisser. Tu vas plisser ça. Donc j'avais mesuré ça net, net. Quand on faisait ça, une petite lumière dépasse même sur les bords des rideaux comme ça. Là, je tiens encore bien comme ça là.
Ah. Mais voilà, il fait les rideaux. Je mets les rideaux, je dis que bon, j'ai acheté les rideaux, non. Il dit que ce n'est pas fini. Je cherche un autre local pour aller habiter. J'ai dit que j'ai aménagé dans le local là en juillet. Juillet, août, septembre, octobre. 3 mois, je paie 90 000. Novembre, Dieu me dit de chercher la maison. Donc j'ai fait 4 mois, je payais 90 000. Je commence à réfléchir. Il me dit, regarde, tu paies 140 000 derrière. J'ai mes conversations avec Dieu sur l'argent. Tu paies 140 000 derrière. Tu paies 90 000 devant. Ça fait 230 000. Cherche une villa où tu vas payer 250 000. Je réfléchis. C'est comme ça que j'ai cherché la maison de Makepe. Hein. C'est comme ça que j'ai trouvé la maison de Makepe. J'ai bataillé avec Dieu dans ma tête même pendant je ne sais pas combien de temps. Au moins 2-3 jours. Finalement, j'ai un agent immobilier là-dedans, là, je l'appelle, je lui dis que je cherche la maison. Il commence alors, il se lance dehors, il cherche, il cherche. Je me rappelle, j'avais fait 3 visites. Et la maison que j'ai prise, c'était finalement la dernière, la troisième visite. Quand j'ai vu, j'ai dit, je prends. Et en ces 4 mois, Dieu m'avait fait déjà économiser 1 million, peut-être 1 million, oui. J'avais 1 million de côté. Je trouve la maison, le monsieur maintenant, il dit, oh, voilà, il faut faire une avance. Pour qu'on commence les travaux, donc je sors, je vois que ah, c'est bien, je vais sortir combien de millions que je viens d'économiser. Je suis en train de, je suis en train d'enjoyer l'argent, de voir l'argent dans mon compte à peine. C'est comment? Voilà, le maintenant, je sors les sous, je paye. Je rentre le vouloir, je me dis, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait une grande maison comme ça? C'est vaste. Ça, c'est presque 800 mètres carrés, si vous êtes déjà parti à Maquette. Elle s'est dit que mince. Ça, c'est 2 ans. Il y a cela 2 ans. Hein. Donc, je vous parle de novembre 2021. Décembre 2022. Donc, ça fait 18 mois. Et en 1 an et demi sur cette maison, j'ai fait les travaux. En tout cas, ceux qui sont venus à Marquette, on est toujours en travaux. Vous devez remarquer. Actuellement, on est en train de lever le standing de la maison. En 1 an, j'ai fait les travaux sur cette maison de près de 8 millions. 1 an, 18, 12 mois, pardon, 12 mois, près de 8 millions sur cette maison. Je reste. Et même pour arranger cette maison, hein, c'était toujours genre, je dirais, Dieu me dit, enlève les nacos, tu changes, tu mets les vitres qu'on coulisse comme ça là. Et, mamie, tu as bien parlé, tu vois ton argent gonfle, après Dieu dit que vide, tu vas faire. C'est ça exactement. Je reste comme ça, je dis, il me dit, change les nacos, tu mets les vitres qu'on coulisse. Il demande le devis. Le monsieur m'apporte le devis, 1 200 000. J'ai passé au moins 6 mois là-bas. Chaque mois, je ne dépensais pas moins de 600, 700 000 sur la maison. Sans compter mes autres projets que j'avais à côté. Donc, je viens vous dire comme ça, juste pour que, si tu es le genre de personne que quand Dieu te parle, tu tardes trop avant de faire ce qu'il te dit. Tu auras beaucoup de difficultés. Parfois, tu restes, Dieu te dit, paye telle chose. Peut-être tu as l'habitude d'aller dans un endroit où tu démanges 5 000 francs. Il te dit, va là où tu vas manger 10 000. Ah, Seigneur, il faut que je me prépare même 6 mois, non? Non, 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 va faire ce qu'il te dit là. Peut-être qu'il y a un agent qui est en train de venir. Et j'ai aussi remarqué parfois qu'il y avait ce truc, ce que j'ai remarqué sur mes comptes bancaires à un moment. Supposons que tu restes, tu as 2 millions. Ok? Tu as 2 millions. Mathie, bonjour. Tu as 2 millions dans le compte, non? Ok. Tes 2 millions sont là. Madame Kekeli, s'il vous plaît, pendant que les grands font le judo, les petits, vous pouvez les mettre ailleurs pour qu'ils fassent une autre activité. Merci. Ok.
je continue. J'avais remarqué que, supposons que tu as 2 millions dans ton compte et tu as de la peine à sortir cet argent. Parce que tu te dis, je veux que ça augmente. Il faut d'abord que j'ai même 5 millions. Il faut que j'ai même 10 millions. Maintenant, Dieu. Oui, tu étais venu en janvier 2023. 2023, si. Ah oui, on est encore en chantier. Oui. Même actuellement, on est encore en chantier. J'ai construit derrière. Donc, le premier. Quand vous allez venir. Le 1er juin, quand vous êtes arrivé pour le service religieux, le sol était encore. On n'avait pas encore commencé à faire le sol. Actuellement, le sol est déjà carrelé. On a déjà couvert. En fait, vous allez venir voir en tout cas. Oui. Dieu te met au challenge de cette façon-ci. Il te dit peut-être, tu as 2 millions dans le compte. Il te dit, sors 2 millions. Ou bien, engage-toi que tu vas payer 3 millions pour telle chose. Et quand tu regardes les 3 millions, là, tu te dis, mais je n'ai que 2 millions sur moi. Il te dit, vois la personne, tu payes en deux fois ou en trois fois. Donc, tu vois la personne, ok, la personne te dit que d'accord, les 3 millions là, paye-moi ça en 3 fois. Maintenant, Dieu, quand tu vas rentrer à la maison, tu sors d'abord 1 million, tu payes, non? Les 1 million qui sont sur ton compte là, hein? Voilà comment tu connais que c'est Dieu qui est en train de te guider. Les 1 million qui sont sortis là, donne-toi au maximum 7 jours. Les 1 million là vont revenir. Et quand ça revient, ça va venir même en sous forme de 1 million 5. Donc la semaine prochaine, tu sors encore 1 million pour payer. Ça revient sous forme de 2 millions. La semaine prochaine encore, tu sors encore 1 million pour payer. Ça revient sous forme de 2 millions 5. Donc tu finis tes 3 semaines ou tes 3 mois. Tu as payé la chose de 3 millions que Dieu voulait que tu payes. Et dans ton compte, tu as encore 1 million 5. Ou 2 millions même. Quand tu tapes dans l'énergie créatrice, ça rembourse toute dépense que tu fais par la foi. Moi, mais c'est que ce qu'il dit les secrets. Ah, poum. Déclare que toi-même, tu vas écouter ce que l'Esprit te dit. Toi-même, tu vas écouter ce que l'Esprit te dit au nom de Jésus. Puis janvier 2022, c'était vraiment en chantier parce que janvier, on venait d'aménager. On a aménagé là-bas le 20 décembre 2021. Donc janvier 2022, je n'avais rien commencé. C'était encore vraiment. Oui. Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec la semence, le principe de la semence. Donc, il va commencer avec toi. Il va te faire évoluer. Peut-être tu vas commencer. C'est récemment que j'ai acheté les tout neufs pour mettre dans mon bureau. Hein. Et j'ai dit à mes employés que l'entreprise s'y vit au Cameroun depuis 3 ans, depuis 2019, 20, 21, 22. C'est en 2023, 4 ans plus tard. Je sors l'argent pour acheter tout maintenant. Tout est neuf. On est en train de faire de tout mettre en neuf là-bas. Les bureaux, les armoires, les chaises, même des gens qui s'asseyent dans l'entreprise pour travailler. Je stabilise vos revenus. Je multiplie de façon exponentielle vos revenus. Je déclare que tu auras ton institut de beauté d'ici la fin de l'année 2023. Attrape ta parole. Je déclare que tu auras ouvert ton magasin d'ici la fin de l'année 2023. Je déclare que tu auras déjà ouvert, tu auras fini de construire ta maison d'ici la fin de l'année 2023. Je mobilise les finances divines. Que ça vienne des quatre coins de la terre. J'augmente ton niveau. Tu tournais avant dans 200 000. Je déclare que d'ici la fin de cette année, tu vas tourner dans 20 millions. Je renouvelle ta clientèle. Je renouvelle tes clients. Les gens qui ne voulaient pas te payer là. Non, non, non. Je déclare que même il y aura des moments où tu ne vas même pas arriver à compter ce qu'il y a dans ta caisse, tellement que ce sera beaucoup. Tellement que ce sera beaucoup.
La prochaine fois que quelqu'un va vouloir te faire dire que tu es pauvre, tu dis jamais. Ah, donc, ce n'est pas vous avez l'argent. Oui, j'ai l'argent. Mais mon argent, ce n'est pas pour te donner. C'est comme ça qu'on refuse son argent à quelqu'un. Voilà, souvent, les gens viennent jouer sur ta bouche. Eh, pardon. Tu veux jouer sur mon mental. Va toquer ailleurs. Va toquer ailleurs. Tu es banni. Tu veux jouer sur mon mental. N'est-ce pas, vous avez l'argent? Oui, j'ai l'argent. N'est-ce pas, vous êtes riche? Oui, je suis riche. Je suis riche. Je suis riche que Hoha. Go cap. Go cap. Où tu es? Tu as peur des inbox. Ma chérie, tu n'auras plus peur d'eux. Tu n'auras plus peur. Si je dis que j'ai l'argent, ils vont me demander. Quelqu'un te demande, tu veux dire non, tu dis non. Tu veux dire non, tu dis non. Oui. Si c'est ça, notez, cherchez-moi les uniformes de ces enfants. Les parents doivent payer les uniformes. Appelez Monsieur Eko, il vous apporte les uniformes de ces enfants. Voilà. Noëlla, Rachel, Solani, Alliance, ne laissez plus les gens vous faire dire. Souvent, vous restez ensemble, vous êtes taxés ensemble, vous êtes les amis, vous partez à la fête. Eh, nous, on ne veut pas payer cher. Hein, non, on n'a pas de l'argent. Hein. Quand ils disent ça, tu dis que non, ça c'est pour vous, moi je ne suis pas dedans. Que je ne suis pas dedans. Mon côté nion. Il y a des filles que tu as l'argent là. Même moi, même mes décepticons m'attaquent. Parfois, c'est déjà mes famiticons. Tu as l'argent. Oui, j'ai l'argent. Ouais, envoie-moi même mon père. De toutes les façons, je cherche à te faire du mal depuis. Ce n'est pas parce que tu acceptes maintenant que tu as l'argent que tu vas croire que. Ils vont me faire du mal, ma chérie. Ils te calculent depuis. Ils te calculent depuis. S'ils ne t'ont pas fait du mal depuis, tu crois qu'ils vont faire comment? Il te calcule depuis. Il ne faut pas qu'elle sache qui elle est. Il ne faut pas qu'elle sache que dans son aura, il y a trop d'argent. Il ne peut pas savoir. Te voilà. Je suis riche. Je ne sais pas si j'allais poster ton statut. Hein. Mais le jour où quelqu'un vient t'attaquer, il veut te faire dire que tu n'as pas l'argent. C'est là que tu bloques. Parce que l'argent ne fait pas le bruit. Que n'est-ce pas ton niveau, c'est maintenant les reines. Les gens ont votre macabo. Les gens ont votre macabo. Les gens ont votre macabo. La personne a ton macabo. Mais comment est-ce qu'elle croit qu'elle se voit déjà partout au Canada? Comment est-ce qu'elle se voit partout au Canada? Comment est-ce qu'elle se voit? Pourquoi dire même que reine? Pourquoi elle s'appelle reine même? Pourquoi dire reine Jocelyne? Mon papa. C'est comment? Vos clients, ce seront les premiers aussi. Dès que tu vas commencer à dire, voilà. Et tu annonces, je m'appelle en Angleterre, je coiffais. Je coiffais les Américains à domicile. Et à un moment, j'ai commencé à. J'étais fatiguée, je ne voulais plus, mais je voulais même plus coiffer. Maintenant. Ouais, le macabo. Hier, on a expliqué le macabo dans le direct, non. Hein?
Tu veux refaire ton permis, demain tu as la voiture. Oh, les gens vont te macabouer. Les gens vont te macabouer. Bonsoir, Chalice. Les gens vont te macabouer. N'est-ce pas, tu écoutes maintenant la fille qui est sur Facebook, elle dit que vous êtes riche. Et pas c'est maintenant que tu écoutes. Qu'est-ce que là, ça va te parler? Voilà, tu cherches les problèmes. Toi-même, là, you look for trouble. Qui vont vous chercher les problèmes? Je disais à mes clientes que quand je les coiffais, en coiffant au prix, le prix d'avant, là, je coiffe la dernière fois, je lui dis que bon, comme je te rends ton service comme ça, sache que mes prix sont en train de changer. Parce que il y a une façon dont les gens qui te payent mal te traitent. Parce que ta vibration correspond à leur niveau pendant un moment. Pour les clients qui viennent, elles ne te donnent jamais de pourboire, elles se plaignent très souvent. Elles se plaignent très souvent. Et quand tu la coiffes, si tu fais 3 heures sur sa tête, pendant les 3 heures, tu te sens mal. Tu vas remarquer que quand tu finis la coiffure, tu es dans une mauvaise humeur. Et le soir, là, tu n'as pas d'autres clients qui viennent. Parce qu'elles gâtent ta vibration. Moi, je préviens, voilà, quand je te coiffe, là, c'est la dernière fois que je te coiffe parce que j'ai changé mes prix. Tu n'as pas besoin de me demander si je loue le local. Je n'ai pas besoin de te justifier pourquoi je remonte mes prix. Parce que quelqu'un va souvent dire que, ah, tu sais, tu augmentes les prix, pourquoi? Est-ce que tu as pris un nouveau local? Est-ce que tu as pris ceci? Moi, je pense que je vaux maintenant plus. Et je te dis avec tout le respect, comme je te tresse ta coiffure, tu vas faire 4 semaines, non? Tu as 4 semaines pour chercher une autre coiffeuse. Tu expliques comme ça, là, calmement, pas le genre que tu fais avec l'arrogance, non. Non. Quand moi, je vous dis souvent comme des prix de mes choses, mais si vous écrivez une box, vous commencez à dire que oh, j'ai 40 000, j'ai ceci, et dites que non, maman, 55 000. Pas le jour où tu as l'argent, tu reviens. Ce n'est pas un problème, c'est là. Ça ne manque de rien, ça ne souffre de rien. Le jour où tu as 55 000 net, avec les frais de retrait même, tu viens. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir maintenant que. Et je ne vais pas vous mentir, les clients qui sont ici en haut. Une nouvelle compagnie de croisière de gift digger. Pardon, il faut que je les cherche. Sérieux. Non. Mon nom est unique sur la terre. Si quelqu'un a trouvé derrière mon nom, vous me dites. Et je suis sûr que les gens ont vu mon nom quelque part. Comment? Tu vas donc voir que ta vibration. Et je me rappelle au départ, quand j'avais commencé ça, je me levais le matin. Si peut-être généralement j'avais un client par jour. Les semaines où j'ai arrêté les petits prix, je passe peut-être une journée, je n'ai pas de client. Ta tête commence à dire, voilà, tu as refusé les clients. Alors que tu vois, tu as vraiment payé les factures. Alors regarde maintenant. Tu veux montrer que tu es. Je me focus, je prends les enseignements, je mets, j'écoute, 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 ça monte ma vibration, ça monte ma vibration. Après, je dis, je suis folle. Mais ma folie me plaît. Je dis que, yes! Le soir, là, une personne m'écrit. Bonsoir, mon ami m'a donné ton numéro. Tu fais je sais pas, tu fais les rastas à combien? Je sais qu'elle fait les rastas à 50 pounds avant. Je lui dis, fais à 80 pounds. Elle dit, ok, tu es disponible demain à 9 h. Je dis, ah! Donc, c'était facile pour ça. Elle arrive, elle vient d'abord à l'heure. Elle arrive, elle a envoyé l'argent en avance. Tu as même acheté sa mèche, tu as tiré. L'autre allait venir parce qu'elle va aller acheter, elle va acheter à un banc de moins. Aller loin, loin, loin là-bas avant de venir te voir. Du coup, quand elle arrive tard. Tu es nerveux, mais déjà, tu l'attends. Elle devait venir à 9 h, elle vient à 11 h 30. Il faut rire, mais te jeter de folle aussi.
Elle arrive d'abord, elle est professionnelle, elle sent bon. Elle a garé sa voiture dehors. Voilà vos clientes, voilà les bonnes clientes. Recevez vos clientes, vos nouvelles clientèles là, ça arrive. Elle s'assoit, tu fais, tu coiffes rapidement, tu coiffes. Et la conversation est nice. Oh yeah, oh yeah, that's nice. Après, elle te dit, ta fille rentre de l'école, elle voit ta fille. Oh hello, oh ta fille est tellement gentille. Oh, tu as une belle maison, waouh. Elle parle, donc tu vois déjà la personne que quand tu restes à côté d'elle pendant 5 minutes, comme ça, tu es contente. Alors qu'avant-hier, tu restais avec déjà des personnes que elle sort de chez toi, elle a sali ta maison. Elle est partie aux toilettes, elle a fait caca, ça sent. J'ai coiffé chez moi, oh, je connais. Oh Seigneur, épargne-nous. Après, quand elle finit, tu fais. L'autre, quand tu faisais, elle disait que pourquoi les tresses, détache ceci. Détache ça là. Tu mets comme ça là. Alors que le miroir est devant elle. Quand tu coiffais, elle voyait. Oh! Un jour, je vais faire le direct, je vais vous parler des chroniques de mes anciennes clientes. Les chroniques de mes anciennes clientes. Le miroir est devant toi. J'ai fait la première tresse, tu as vu, tu as dit, j'ai dit que comme ça. Oh, yeah, that's nice. Yeah, that's fine. Yeah, go on, yeah. Tu fais deuxième tresse, elle regarde. Troisième tresse, elle regarde. Tu es sur la 25e tresse ici. Elle dit, I don't like this one. Yeah, the third one, I don't like it. Yeah, can you, like, I don't like it. Ça t'énerve. Et quand elle fait, elle sait donc, quand tu regardes le miroir, tu fais, elle baisse la tête, tu fais, tu détaches. Tu détaches. Tu commences encore, tu tresses. Tu tresses. Elle est venue tard. Elle quitte de chez toi à 21h. Oui. Il y a mon téléphone, merci. La nouvelle arrive. Quand elle finit. Oh, thank you. Oh my gosh, it's so nice. Oh, I like it. Oh, thank you. Elle te fait un bisou. Elle fait. Oh, elle fait un peu comme ça sur le miroir. Oh. Oh, that's so nice. Elle prend la photo, elle met son statut. Elle met son statut. Deux de ses copines demandent là, là, là. Elle donne ton numéro. Are you available tomorrow? Yeah, do you come to people's place? Je dis oui. Elle dit, yeah, I got my friend. She want the same. Yeah, she want the same. Le lendemain, tu pars chez sa copine. Tu payes le bus à 3 pounds. Elle paie tes frais de transport à 25 pounds. Tu arrives chez elle, la costaud de maison. Ça t'inspire d'abord. Tu dis que ah, quand je serai grande, alors que tu as 25 ans, quand je serai grande, j'aurai le genre de maison-ci. J'ai fait les choses. Ne me voyez pas souvent comme ça aussi. Tu regardes la maison comme ça là. Tu veux le café? Tu veux les biscuits? Oh, assois-toi. Tu t'assois sur la chaise comme ça là. Tu touches comme ça. Tu dis que, hey, la chaise est blanche. Le tapis est blanc. Après, elle t'amène dans son troisième salon pour que tu la coiffes. J'ai vu les maisons en Angleterre. Tu la coiffes. Son mari rentre avec une costaud de Range Rover comme ça là. Tu regardes. Tu dis, quand je serai grande, je vais me marier avec un homme qui a la Range Rover. Seul dans ma tête. Oh Seigneur. Je suis pas seul dans ma tête. Regardez, j'aime vous parler de mes pensées parce que je suis passée d'une fille très pauvre et maintenant je suis riche. Et je me suis rendu compte que dans la pauvreté, j'avais des pensées très destructrices. Des pensées. Tu arrives comme ça, là, on t'enlève les chaussures avant d'entrer. Tu enlèves les chaussures, tu veux m'enlever encore le bas de tes pieds. Tellement tu penses que tes pieds vont salir la maison de la personne. Tu as dans la maison comme ça là. Tu guettes seulement comme ça là. Tu t'assois à la télé, la tête de quelqu'un dans la télé, c'est comme, je sais pas, c'est comme un arbre. Avant, je faisais mes vidéos de comédie.
Un jour, j'ai vu un dragueur, comme là, il a commencé à me dire que tu ne dois pas faire la comédie. Hein? Que si tu fais la comédie, c'est pas bien. On va te voir, tu encourages les gens, après tu fais la comédie. J'ai toujours voulu jouer des rôles parce que. J'ai des petites vidéos que je faisais avant en 2000, 2018, 17 et 18. Je faisais des vidéos avec mon téléphone. Oui. Il est. Bonne guérison, il est. J'ai encore reprendre moi mes comédies. Oh, ça me plaisait. Mais c'était des comédies de motivation pour encourager. Tu vois que les pensées qu'elle dit, c'est non, je peux prendre ça et faire un scénario avec. Donc, on prend une maison, on te filme comment tu arrives chez elle, tu veux coiffer, tu entres, tu regardes la maison comme ça là. C'est ce genre de vidéos-là que je faisais en fait. Des vidéos motivantes. Voilà. Ok. Donc, tu arrives là-bas, tu vois qu'en 2 jours, c'est la deuxième cliente que tu as eue. Tu arrives, tu coiffes. Tu finis, elle l'aime tellement. Elle dit, oh, tu étais dépêché, tu es parti de chez toi pour venir ici. Waouh, tu avais demandé 80 pounds. Ok. Avec 5 pounds de transport. Elle sort 100 pounds, elle te donne. Ou bien 115 pounds. Tu dis, hey! Il y a de cela une semaine, je coiffais à 50 pounds. Comment ça se fait qu'en 2 semaines, je sois en train de faire le même service et on me paye 115 pounds? Tu sors de là, tu as mangé parce que sa cuisinière est venue à midi, elle vous a fait un bon repas. Un bon repas diététique. Et quand elle fait, tu fais aussi comme si tu connaissais trop. Yeah, non. Elle te met les brocolis, les asperges, alors que tu mets le couscous avec le tapioca à la maison tous les jours. Hello, Carole, la reine Carole. Te voilà. Yeah, non. Tu prends la fourchette. Te voilà, tu prends la fourchette, le couteau. Tu commences à faire comme si tu. Quand je vais à la maison, si. Oh. L'esprit va vous mettre des opportunités. Maintenant, c'est à vous de les saisir. C'est à vous de les saisir. J'aime beaucoup enseigner avec les détails parce que l'ennemi joue beaucoup avec les pensées. L'ennemi joue beaucoup sur les pensées. C'est juste que vous ne savez pas. Et je sais toujours, je me rappelle toujours d'où je viens moi-même. Moi, avant, j'avais des pensées destructrices sur ma vie. Bicaturier. La reine Bicaturier. Hein? J'avais le genre de pensée que j'arrive quelque part comme ça. Je voulais me mettre au coin comme ça. Je dis, hey, la voiture. Hey. Je vous rappelle, je me rappelle toujours de mon oncle. Je vous dis souvent, non, j'étais allée chez lui à Newcastle quand j'étais en Angleterre, j'étais enceinte. En 2007, 2000, j'ai accouché en 2009. 2009, je suis allée chez lui. Il me cherchait à l'aéroport. Non, j'avais pris. Oui, j'avais pris l'avion. Oui, j'avais pris l'avion. Je n'avais pas fait 6 heures de route. Non. J'avais pris l'avion. Il arrive à l'aéroport de Newcastle. C'est la première fois qu'il était entré dans la Bentley. Je m'assois. Je ne savais pas qu'il fallait mettre la ceinture de sécurité. Je n'aimais même pas ça faire ting, ting, ting. Vous savez que les vieilles voitures font. Non, ça fait ting, ting. Il dit, mets ta ceinture, Jocelyne. Mon oncle, c'est mon meilleur oncle. Il parle toujours avec les gosses. Même qu'il te gronde, mais Jocelyne, pourquoi tu as fait ça? Je mets ma ceinture. Je sens comment mes fesses chauffent. Je suis vraiment mal à l'aise. J'ai peur de lui demander que tonton. Ça me chauffe. J'enlève mon corps comme ça là. Après, il met encore mon corps. Il dit, qu'est-ce que c'est que la chaise est si chauffe? Après, il a remarqué le mouvement que je faisais. Il dit que oui, ce sont les sièges chauffants. Oh Seigneur. Les choses vont comme ça. J'arrive chez lui. Il parle dans son armoire. Hey! Veste Dolce Gabbana. Louis Vuitton. C'est si, je touche comme ça. Il sort avec avec la Bible, son enfant, il a quitté. Elle a laissé ses habits chez lui. Il dit que, wonderful. Est-ce qu'une femme peut être. Ma chérie, ça c'est au moins 20 000 pounds que tu laisses ici.
Il dit que la garde-robe était les habits de femme. Il dit, ah, c'est pour mon ex, oui, elle est partie. Choisis ce que tu veux là-bas, tu prends. Hey! Le juge m'a dit ça. Hein? Je suis en canal à moi le jour là. Je regarde. J'avais finalement pris un par-dessus Dolce Gabbana blanc. Devinez ce qui a gâté mon par-dessus. Je suis allé là où on mange le tarot. Je n'ai pas envie de vous raconter l'histoire. Je n'ai pas fait 2 ans avec la villa. Je suis allé mailler le tarot. Oh, la villa, ce n'est pas bien. Non. Bon voilà, j'arrive. Tu vois, quand tu veux un peu impressionner les gens, tu vois, quand tu le corps était tellement bien que même si tu portais ça en étant nu, même si tu étais nu, hein, tu mets le soutien, tu mets le caleçon, tu mets le coup dessus, tu as la classe. Bon voilà, j'ai dit que si je retire le coup là, les gens ne vont pas voir que je suis bien habillé. J'ai ça là. Mais puis il mange le tarot avec le coup sur moi. Mais voilà. Il mange. Alors qu'on a. Tu n'es pas en Europe quand tu es dans la. Quand tu es dans la maison, tu retires la bille. Tu accroches. Non. Tu vois quand il vlog, show mimba là, non. Oh, je sais pas ce qu'il fait. Tac, je vois une goutte. Une goutte là. Une goutte là. Je sais le cœur, je dis. Ah! Ça ne sent pas. Je pars à la douche. Ça ne sent pas. Il dit qu'on va avoir le pressing, ça va donner. Et vous connaissez que le pressing des blancs, il n'aime pas forcer les choses. Le pressing des blancs m'énerve parce que le pressing des noirs, on va verser déjà juste la chose. Et ça devait être de la. Je ne sais pas. C'était un. Silk, maybe. Je ne sais pas quel matériel c'était. Mais c'était un truc que tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas. J'envoie au pressing. Je croise les doigts. Ça revient, je vois la tache que dessus encore bien ronde là. J'ai dit que les gens là. Et en revenant, ils ont dit que voilà, nous quand on lave ici, là, ils donnent toujours une sorte de notice d'avertissement. Que nous, on ne met pas les produits sur l'habit. Je vois ça me fait mal. Je porte l'habit, je pars moi-même, je prends l'eau de Javel. Je mets sur ça. Je frotte. Je mets. Vous savez ce que ça fait? L'eau de Javel, elle a agi la tâche. Ouais, Seigneur. Je suis retourné avec une tâche comme ça. Donc, à distance, ça faisait comme la rouille. C'est devenu comme la rouille. Un costaud de tâche. C'est comme ça que je n'ai plus porté mon habit là. Je n'ai plus porté l'habit là. Je ne sais pas pourquoi vous avez les histoires comme ça. Hein. Mais j'ai toujours voulu m'habiller classe. J'aime beaucoup la classe, je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. Donc, j'avais beaucoup de tickets max. C'était un endroit, un magasin où ils prenaient les habits des grands magasins, les fins de série là. Ils mettaient ça là-bas. Donc, si un habit peut-être coûtait 500 pounds, tu peux trouver ça là-bas même à 90 pounds. Voilà. Ticket max. Je crois qu'aux États-Unis, ça a un autre nom. Oui. Donc, j'aimais beaucoup aller là-bas. J'achetais les belles robes classe. Les marquises, j'ai toujours su que j'étais une reine, mais je ne savais pas. C'est le temps et ce sont les ancêtres qui m'ont permis de découvrir ma royauté. Je me rappelle à l'époque, j'avais peut-être 24 ans. Je partais à Tikema, j'achetais des trucs, les habits. J'aimais beaucoup le style vestimentaire de Kate, la femme du prince William. J'aimais beaucoup son style vestimentaire. Donc, quand elle portait ses habits, j'ai guetté. J'avais même les chapeaux, vous voyez les gros chapeaux là, non? Les gros chapeaux comme ça là. Voilà, j'avais même certains de ces chapeaux, comme ça. Et je faisais aussi beaucoup IB. Maintenant, après, quand j'ai aussi compris quoi, j'ai eu des périodes de ma vie où je cherchais à ressembler aux riches. Mais le fond n'était pas là, parce que... je m'appelle à un moment, je suis sortie avec un monsieur qui était très riche. Et j'ai aménagé avec lui, on allait vivre dans un quartier de riches. Ceux qui sont à Birmingham, vous savez, en Angleterre, le quartier des riches, il y a Sutton Coldfield. Donc, on est allé là, c'est là-bas qu'il vivait, donc je suis allé vivre chez lui. Et c'est là que je peux dire que j'ai commencé à voir les habitudes des riches.
rappelle la première fois m'a amené faire le shopping. Ha! On arrive, il se fait à Sainsbury ou bien il y avait encore un autre magasin là. C'était Marks & Spencer. Voilà. C'est pas que vous avez Witherspoon, mais bon, et il partait plus. Oh my god, j'ai oublié le nom anglais là. En tout cas, il m'amène là-bas. On arrive. Il achetait d'abord le poulet, la poitrine de poulet. Moi, il partait au marché, je négociais avec les gars là, j'achetais le poulet à combien? Peut-être 4 pounds, 5 pounds. Lui, il achetait la poitrine de poulet à 10 pounds. Tu es fou. Et tous les os, il dit, moi, je n'ai pas besoin des os. Il peut lâcher le saumon. Première fois que j'aménage, il dit, bon, quand tu es arrivé, on va faire des courses. On arrive à Sainsbury. Et j'avais remarqué que Sainsbury du quartier des riches était plus cher que Sainsbury du quartier des pauvres. Et la pauvreté n'est pas bien. En tout cas, on arrive, on fait les courses. On arrive à la caisse. 450 pounds. Je le regarde. Il me dit, non, chaque semaine, je fais des courses. Je dis, tu manges 450 pounds par semaine. Et tu vis seul. Ah! En fait, je suis sûr qu'il mange même plus que ça aujourd'hui. Mais pour moi, à l'époque, I was like, what? Tu vois ce qu'il y a dans son panier? Il a pris les crevettes fraîches. 15 pounds. Il a pris le saumon, trois filets de saumon. Il a pris le blanc de poulet. Et quand il prend un à 10 pans comme ça, il prend même 4 ou 10 même, parfois pas même 10. Chaque matin, il découpe, il fait frire ça rapidement, il met dans son pot pour partir avec au boulot. Il dit que, ok. Il peut parler, vous dire le vous m'amener pour acheter mes habits. Il était un peu le genre que quand on marche comme ça là, on parle, on passe devant une vitrine. Il voit ma tête faire comme ça là. Tu vois, ma tête est en train de regarder un habit. Il dit, do you like it? Il dit, oui, mais tu vois, c'était. Il dit, non, it's okay. On entre, tac. Yeah. Elle veut l'habit, la connaît. Il dit que, hey. Donc, et c'est vrai, je suis encore très jeune. Parce que tu sais, quand tu as grandi dans un environnement où j'ai grandi en tant que enfant au mariage. C'est vrai qu'on m'a eu avant le mariage, mais quand le mariage s'est passé, on m'a pris comme l'enfant que donc on ne peut pas sortir, on ne peut pas t'acheter un truc neuf. On ne peut pas te. Qu'on ne peut pas même la nourriture, on ne peut pas te donner un morceau de viande entier. Je vous dis, je ne blague pas, ok? on ne peut pas. Tu vois, il y a des faux trucs que c'est maintenant quand je grandis, je comprends que ce sont des choses comme ça qui impactent beaucoup notre mental. Et quand tu grandis, tu m'écoutes mes directs, tu te commences à te dire que tu peux. Il y en a même parmi vous, vous avez de bons boulots, mais vous n'arrivez pas à acheter quelque chose pour vous. Tu n'arrives pas. Ben, je te dis que iPhone 14 est sorti. Elle s'est faite à nous contacter que madame venez prendre. Prenez-vous payer en 12 mois. Tu dis non. Le même montant que ce que vous avez, tu dis non. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu penses que tu ne mérites pas. Tu vois, non. Parfois, quand tu vas acheter des habits, tu te retrouves en train de partir dans les charities, les habits de seconde main. Tu dis, on trouve des bons trucs là-bas. On trouve des bonnes opportunités, hein, tu sais. Un jour, le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Il me dit, tu vas apprendre à ne plus porter ce que quelqu'un t'a apporté. Tu vas apprendre à ne plus. Donc, un jour, il me dit même d'éviter les soldes. Il dit que quoi? Il dit que mais le gars, Dieu, c'est là, tu es poche. Notre Dieu se lève les poches jusqu'à. Un poche God. Poche God.
Je veux dire, la poche God. Mon papa, c'est un poche papa. Poche God. Poche God. Et ma fille ne porte pas les friperies. Ma fille ne porte pas les choses qui sont vieilles. Ma fille ne porte pas. Quand elle fait mes vidéos, je n'ai même pas l'envie de faire semblant avec vous. Parce que si quelqu'un vient ici, écoute mes vidéos, il se dit, ah, donc elle, c'est de là où elle vient. Oui. Je n'ai pas moi honte, même pas une seconde. Aïe, never, never ever. Je veux que vous compreniez qu'on peut partir. Le tout, ce n'est pas d'où tu viens. Le plus important, c'est là où tu pars. Le plus important, c'est là où tu pars. Donc si quelqu'un se moque de toi, que oh, regarde, tu n'as pas, tu n'as rien. Non, ne te dérange pas. Je connais là où je pars. Je connais là où je pars. Et j'ai plus peur de quelqu'un qui monte au lieu de quelqu'un qui est sur son même niveau depuis 5 ans. Oui. Ah, tu sais, je touche 2500 euros depuis 2013. Oui, je suis ici en comptabilité. Oui. C'est moi, je fais ce boulot ici depuis 2012. 2012 par là, oui. Donc, tu es sur 2500 euros depuis 10 ans. Hein? Très difficile de te pousser en haut. Très difficile de pousser en haut. Par contre, tu vas voir quelqu'un d'autre là te dire, il y a de cela 6 mois, je faisais un peu une recette hebdomadaire. Donc, par semaine, je n'avais même pas la recette de 50 000. Aujourd'hui, je fais 50 000 jours sans me casser. Oh, yes. You are the one. Écrivez cela, I'm the one. Oh, ouais, oh, I'm the only one. Allez, écrivez. Écrivez, I'm the one. Yes, c'est vous. Et quand tu vas arriver à 15 000, à 50 000, tu vas encore monter. Tu ne pars pas à 50 000 pour t'arrêter. Oui. 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 Oui, décalé alors, pas de souci. Tu as appelé le premier peintre là. Tu as appelé le premier peintre comme j'ai demandé. Rappelle-moi le travail de cette jeune dame. Il faut la mettre dans le village. Mets-la dans le rôle du village. L'ordre du nom n'est pas respecté. Regarde très bien l'ordre que je demande, parce que sinon à chaque fois ça ne sera pas bien retiré. Écris que je am the one, c'est moi, c'est toi la personne. Le plus important, c'est d'avancer, que tu sois toujours de monter.
Quand c'est comme ça, hein, même si tu arrives à 5 millions par jour, tu vas toujours vouloir monter. Tu arrives à 10 millions par jour, tu vas toujours vouloir monter. Voilà. Donc vous devez prendre des initiatives. Parfois tu peux rester comme ça, tu sens qu'il est temps pour moi d'acheter un terrain. Ne demande pas à quelqu'un. Appelle l'agent immobilier, je m'en dis que je veux un terrain. Cherche. Ne peux pas dire à ta tante ou bien à ta mère que maman, je vais voir le terrain maintenant. Parce que malheureusement, les gens ont toujours leurs agendas sur notre argent. Parfois, les dépenses que tu dis à quelqu'un comme ça l'énerve. Tu vois, mais c'est mon argent, non? N'oublie pas ma monnaie. Je te dis que j'ai dépensé mon argent, donc soyez très discret sur ces choses-là. Parce que parfois, ne serait-ce que par leur réaction, ces personnes-là peuvent te frustrer. Oui, ces personnes peuvent te frustrer. Les personnes que je te sens mal. Je dis, mais pourquoi je me sens comme ça? Why am I feeling like this? Malheureusement, pour les gens qui sont mariés, il y a beaucoup d'impact sur vous. Parce que beaucoup d'entre vous m'écoutez, votre femme n'écoute pas. Votre mari n'écoute pas. Maintenant, tu vas rentrer, tu vas dire, ok, chérie, comme on a 100 000 francs le mois qu'on paye là, il faut que dans 2 mois, on parte maintenant dans nos 150 000. Et très attention. Dans les finances, fonctionnez toujours en termes de jours. Aujourd'hui, ne laisse jamais une journée passer sans que tu n'aies pointé. Sous prétexte que non, mon argent est censé venir dans 1 mois, tous les premiers on me paye. Non. Si quotidiennement tu as 30 000 qui touchent ta main, mamie, tu peux facilement dépenser 3 000, 4 000, 5 000, 10 000. Si tu as 50 000 qui touchent ta main chaque jour, l'argent, la prospérité financière, voit l'argent comme, ok, si j'ai un besoin, l'argent ne va pas venir. Si j'ai un besoin, l'argent de ça va venir. Si j'ai un besoin, l'argent de ça va venir. C'est ça l'abondance. L'abondance, ça veut dire que tout ce que tu as envie de faire, tu fais. Peu importe le projet que tu formules dans ta tête. Tu formules un projet, tu le fais. Tu formules un projet, tu le fais. Donc en fait, rien ne peut te dépasser. Tu dépasses celui qui est là, il va te dire qu'il a 5 millions de francs le mois. Parce que tu es libre, tu es libre, tu n'es pas limité. Ça t'est arrivé d'arriver chez quelqu'un qui est riche, entre guillemets riche. Dès qu'on prépare la nourriture. Hein? Hein? Pourquoi vous avez mangé l'argent de la nourriture qui était dans la mamie là-bas? Une grosse maison, hein? Oui. Allô? Oui. J'ai vu. Oui, c'est bon. Pardon. La maison est grande. L'endroit paraît prospère. Mais les gens qui vivent dans cette maison ne sont pas prospères. Mais ne vous méprenez pas. L'abondance n'est pas seulement dans les endroits que vous voyez, ça paraît. Ça paraît grandiose. Ce n'est pas seulement les endroits qui portent l'abondance. L'abondance ne se trouve pas seulement dans les endroits qui sont beaux, grandioses. Parfois, tu arrives là-bas, il n'y a pas une énergie conductrice. Il n'y a pas l'énergie conductrice. Tu vois le genre d'énergie qui te. Tu vois, non, ça te like, quand on s'acquitte de ces endroits-là, même si tu sors avec un homme qui a tout ça, et que tu vois, il bloque ton énergie, il bloque ta productivité, il bloque. Parce que je me suis rendu compte que parfois tu es encore petite, tu sors avec un homme qui est déjà avancé en âge, peut-être par rapport à toi, et qui a déjà mis ses pions. Ça
Ça fait 5 ans qu'il est sur 3 000 euros le mois. Toi, quand tu le rencontres pour l'instant, tu es encore sur 1 500 euros, 1 000 euros le mois même, 1 000 euros. Chérie, dans très peu de temps, tu peux te retrouver à 5 000 euros. Il est toujours à 3 000 euros. Tu me suis? Dans très peu de temps, tu vas te retrouver en train de gagner plus que cet homme. J'ai des gens qui m'ont fait du chantage quand je n'avais pas de papier, quand j'étais en Europe. Genre, ouais, tu vois, il est stable, il a sa voiture, il a ceci, il a ça, il a son salaire. On ne te traite pas bien. Tu vois, l'énergie là-bas n'est pas bonne. Dieu te dit, quitte. Toi-même, tu auras ta part. Tu quittes. Voilà, tu as resté 4 heures de temps pour qu'on te reçoive. Comment te simplifier? Je déclare que ces personnes vont aussi t'attendre. Ils vont aussi venir faire la queue pour te voir. Au nom de Jésus. Comment ça dit que force t'allait devenir arrogante, hein? Ils ne savent pas que ce sont eux qui t'ont montré. Ce sont eux qui t'ont appris. Les oncles icônes là. Vous connaissez les oncles icônes là, non? Quand tu voulais un peu t'élever comme ça. Hein? La fille de maman Josie là, tu es trop insolente. Hein? Tu as pris mon compte ta fille ici. Ils ont vu ton étoile, ils sont jaloux. Te voilà 10 ans plus tard. Tu arrives à la réunion familiale. Quand il faro, tu ne cours plus pour aller prendre son argent. Et maintenant, les gens de ta famille viennent. Ah, Josie m'a donné ça, Josie m'a donné ça. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Parce qu'il y a des familles où ils aiment avoir le monopole. Je déclare que vous sortez de tout trou financier dans lequel on vous a plongé. Toute personne de votre famille qui allait faire les incantations, qui allait pratiquer pour mettre à terre tous les membres de ta famille, je déclare, comme toi tu te libères là, tu libères aussi les autres. Tu libères les chaînes qui t'ont retenu et qui ont retenu ta famille, prisonnier. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de ta famille. Le Joseph de ta famille. À cause de toi, ta famille sera libérée. À cause de toi, ta famille sera riche. À cause de toi, on connaîtra le nom de ta famille à l'international. Voilà les choses que tu vas te dire chaque jour. Répète ça à toi-même, ma chérie. Tu blagues avec qui? Est-ce que tu es venu ici là? Tu es venu pour t'amuser? Oui. Il a fait son devis, non? Il a déjà il va te dire le matériel par lequel il doit commencer. Et tu lui demandes s'il aura besoin de plus de matériel, qu'il ne te sorte pas encore ça après. Insiste là-dessus. C'est quel genre de travail qui fonctionne bien que quand le truc va finir, ils ne disent pas. Tu dois les blâmer par rapport à ça. Mais ce matin, ils pouvaient quand même savoir, non? Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils commencent le travail, ils peuvent estimer. Quand il est là, attends, quand il y a ce 3 sacs, il dit qu'il y a ce 3 sacs, achetez le sac, le tout dans le ciment, non? Va, tu leur dis ça. Merci. Il va superviser les travaux.
Vous savez, je sais que quand elle raconte cela, vous pensez toujours que j'ai vu les films nigériens, je vais raconter. Il y a les gens de certaines familles que quand vous grandissez, ils sont tellement plus avares. Donc, ils veulent tellement qu'ils vont vous prendre le pouvoir sur leur famille. Ils font de telle façon qu'ils seront toujours la tête, ils seront toujours en haut. Ça, c'est un pouvoir qu'on donne chez Marabout. Donc, ce qui fait que quand tu commences à ton oncle a dominé derrière ta mère depuis longtemps. Dans toi, quand tu te lèves là, tu essaies un peu de vouloir parler, ta mère est là dominée. Donc, automatiquement, toi, on te met dans la même prison. C'est pour ça que souvent, vous allez voir les rêves que vous faites. Vous vous retrouvez dans des prisons où il y a plein de personnes. Attends, je vais aussi lire un rêve. Okay. Il y a une personne. Si tu veux, tu vas donner ton nom, tu donnes. Si tu ne donnes pas, il n'y a pas de souci. Je vais juste lire ton rêve. Il y a une qui a fait un rêve comme ça aujourd'hui. Attends un peu, elle a raconté ça. Oui, c'est ça ici. Elle dit, bonjour ma reine, je viens de faire un témoignage ce matin. À 3 heures, j'ai fait le bain de pipi. J'ai prié par la suite. J'ai écouté la prière que vous aviez envoyée dans le groupe hier. Et je suis partie me coucher. Pendant que je dormais, j'ai fait un songe. Je me suis retrouvée dans un fossé, là où il y avait une cage faite en bambou de Chine. Et à l'intérieur, il y avait plus de 200 personnes qui pleuraient en demandant que je les sorte de là. Que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont détenus prisonniers. Ils pleuraient et criaient, de grandes personnes comme les enfants. J'ai sorti un couteau de mon sac, j'ai commencé à créer une issue et tous ont été délivrés. Nous avons commencé à courir pour sortir de ce fossé. À un niveau, nous avons rencontré une série de démons qui nous ont attaqués. On s'est battus, ils m'ont blessé à l'épaule et du coup vous êtes apparus. Vous êtes apparus dans ce fossé. Vous avez brûlé tous les démons par le feu. Les prisonniers sont rentrés chez eux et moi, toute faible, vous m'avez ramené dans un hôpital pour la chirurgie de mon épaule. Merci d'être mon guide, voilà. Quand on précise 30 ans comme ça là, vous ne voyez pas que 30 ans c'est généralement la moyenne d'une vie. Dans le sens suivant, supposons que tu grandis, c'est à l'âge peut-être de 18-19 ans que tu commences à être conscient. Si ta vie commence à 20 ans, ça peut être l'âge là, 20 ans, 22, 25 ans, c'est l'âge là qu'une personne peut prendre l'emprise sur les autres. Maintenant, toi tu nais, tu grandis. Aujourd'hui que tu m'écoutes, tu as 28 ans, tu as 30 ans. Donc depuis que tu es petit, tes parents sont sous le joug de quelqu'un. Oui. Oui, parfois un des frères pas dominé et tout ce qu'il dit, il demande la main fait. C'est ça. C'est ça. Ne blaguez pas. Je les parle comme ça. C'est vrai que je ris depuis. Je ris. C'est amusant ce que je dis. Mais il y en a ici là, vous savez que vous êtes des bosseuses. Vous bossez énormément. Tu bosses, tu es intelligente, tu es belle, tu es. Tu dis que Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc tu te poses des questions. Il y a un joug familial. On a mis la limite. On a mis la limite. Tu fais n'importe comment. Et je vous dis souvent que ces démons-là, on se connaît. Comment est-ce qu'elle peut dire que les démons qui me bloquent la connaissent? Comment le monde spirituel, c'est un petit endroit comme ça. Petit. Donc quand une nouvelle personne arrive là, ils connaissent dans le monde spirituel. Oui, parce qu'ils connaissent Jésus. Souvent tu es là, tu me suis comme ça, là, tu es loin à Bétois. Tu es loin au Canada là-bas. On dit qu'on l'empêche, on l'empêche depuis qu'elle te suive. On l'empêche qu'elle vienne chez toi. Tu es au Canada et Suisse là, oui. Ils ne te trouveront pas, Foster. Ils ne te trouveront pas. Le truc que vous ignorez, c'est que vous avez grandi. Vous êtes devenu. Je vous avais souvent dit que souvent dans les rêves, on vous tapait, non? Maintenant, c'est vous qui allez taper. Maintenant, c'est vous qui allez taper. Ils viennent comme ça, là, vous les fessez correctement parce qu'ils fuient. Vous, quand je touche les démons dans le bras, comme ça, là. Moi-même, j'avais dit que Seigneur, tu vas me libérer. Seigneur, tu vas me. Je vous ai dit que j'étais bloqué plus. J'avais le blocage plus.
Jusqu'à même blocage, j'étais étonné quand il me voyait. Moi, je savais que quelqu'un commence un truc, pap, ça va échouer. Jusqu'à quand il s'est échoué, je dis que ah, je savais. Ah, je savais, non? Moi, je savais, moi, déjà. Je savais. Tu vois, quand tu as fait une demande de visa, tu pars chercher le passeport, tu ne regardes même pas à l'intérieur parce que tu sais qu'on ne peut même pas te donner le visa. C'est le genre de blocage que j'avais. Tu vois qu'on t'a tellement bloqué que dans ton âme, tu souffres, tu sens que ton âme souffre. Tu es fatigué des refus, tu es fatigué des rejets, tu es fatigué des fiancé vient après pas. Tu es fatigué donc, il y a quelque chose en toi qui est fatigué. Power dépasse power. Tu vois quoi? Je vous dis tout que le kit fondation, là, commencez par le kit fondation. Vous allez voir. Je sors de famille de tout chou. Tout trou dans lequel ta famille a été ou est encore. Tout ton travail impacte les membres de ta famille. Hier, quand je parlais, j'ai fait le direct ici. Je vous ai dit qu'il y a une qui est venue à peine de m'envoyer le message. À peine. Elle a pris le kit fondation. Ça l'a trouvé en France. Quand le kit arrive chez le joueur, elle reçoit le kit comme ça, là, bam. Deux jours plus tard, elle commence le kit. Deux jours plus tard, son neveu, qui était parti, il était parti de la maison depuis. Attendez, je vais vous lire son témoignage. Bon, je regarde ce message. Elle dit, j'ai commencé, ma reine, j'ai commencé le... Elle dit, je vais commencer par quoi? C'est son témoignage. J'ai commencé mon kit fondation samedi. Donc, elle m'écrivait hier lundi. Pendant mes prières de lavage, je confie toute ma famille à l'Esprit Saint par rapport à notre problème générationnel qui date de 47 ans aujourd'hui. Ma belle-mère et ses filles, à celle-ci, ma maman, bon, sa propre maman, et mes soeurs, pour savoir où je suis, sans succès. Dans un rêve, elles ont dit à ma soeur aînée que je les bloque, et je les empêche de faire leurs choses. Et le plus beau, c'est mon neveu porté disparu depuis 5 mois, qui est revenu à la maison, par lui-même, tout maigre et pâle. Le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ma famille. Saint est son nom. Merci infiniment pour qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Je sens au fond de moi que le bonheur ne fait que commencer. Après, elle m'envoie la photo de son neveu. Elle dit, regardez ma reine, mon neveu, après 5 mois a dormi dans la rue comme un mendiant. Il est chez ma soeur. Il est venu de lui-même avec les amis que vous voyez là. J'ai trop mal au cœur. Il est méconnaissable. Je continue mes prières. Je sais que le Seigneur a déjà fait tomber le voile qui empêchait la lumière de briller sur ma famille. Vous savez que hier, je vous ai demandé de beaucoup prier pour les membres de votre famille. Parce que parfois, vous restez, vous ne connaissez pas. Vous ne, la Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16.
la vidéo sur TikTok, ça prend pas. Je vous lis le passage. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente de quelqu'un qui est justifié devant Dieu. Ça agit beaucoup, ça touche beaucoup. Ne simplifiez pas votre prière. Et l'ennemi va beaucoup jouer sur ton mental. Voilà, tu ne pries même pas intensément. Tu ne pries même pas intensément, tu ne pries pas profondément, hein, vraiment. Tu crois que ça touche même qui? Je cherche une autre version de ce passage biblique. Pas la version. Bon, ça passe pas. J'ai cherché la nouvelle alliance pour montrer que là-bas il y a des paroles un peu différentes. En anglais, la version anglaise dit The prayer of a righteous man availeth much. Donc la prière de quelqu'un qui est juste, ça détruit beaucoup. Ne vous fatiguez pas de prier pour les gens de votre famille. Parfois seulement par votre exemple. Et parfois, tu n'as pas besoin de forcer la personne physiquement. Prie seulement pour elle. Il y en a parmi vous, vous faites souvent les lavages à distance de vos frères. Sans même le dire. Après, tu restes vraiment ces choses s'arrangent. Ça te plaît aussi, non? Voilà. Bon, je vais terminer le direct. Vous passez une bonne après-midi. Il attend l'argent. Bye bye.